Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne IT Help. Donc aujourd'hui, je fais une vidéo qui va compléter une vidéo que j'ai faite il y a 2 ans sur les pavés tactiles qui ne fonctionnent plus. Donc dans la première vidéo, je me suis attardé plutôt sur, on va dire, les boutons, enfin les touches qui désactivent et réactivent, hein, donc les F2, F3, F4, ou la panne matérielle, donc le pavé tactile qui n'est plus connecté avec la fiche sur la carte mère. Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer une autre forme de problème qui touche les pavés tactiles, c'est le problème de pilote. De temps en temps, via une mise à jour ou autre, on peut avoir des problèmes de pilote qui font que le pavé tactile ne fonctionne tout simplement plus. Donc, je vais vous montrer où aller et comment résoudre votre problème. Donc, vous allez aller dans votre barre Cortana en bas, hop, et vous allez tout simplement taper gestionnaire de périphérique. Donc généralement, hein, il est marqué avant, vous avez juste à taper gestion, puis voilà. Donc vous cliquez dessus, il va vous ouvrir une nouvelle fenêtre, donc celle-là. C'est en gros la fenêtre où on voit tous les périphériques pour chaque élément de l'ordinateur, hein. Que ce soit le clavier, carte graphique, carte réseau, voilà. Si vous avez un problème sur un de ces périphériques-là, vous allez avoir un petit icône avec généralement un point d'exclamation ou un point d'interrogation, ça dépend, qui vous indique qu'il y a un problème de pilote. Donc moi sur ce PC, j'ai pas de problème de pilote à proprement parler, mais je vais vous montrer où aller et quoi faire. Donc là, vous allez aller dans souris et autres périphériques de pointage. Donc hop, vous pouvez faire là. Donc là, on voit que c'est Asus Touchpad, donc c'est mon pavé tactile. Vous pouvez cliquer dessus et donc là, généralement, si vous avez un problème de pilote, vous allez avoir le point d'exclamation qui va se trouver par ici. Donc voilà. Vous faites mettre à jour les pilotes de périphérique. Donc voilà, donc vous pouvez faire rechercher automatiquement le logiciel de pilote à jour. Donc bon, ouais, il me dit que le meilleur pilote est déjà installé, hein, forcément. Ce que vous pouvez faire aussi, si ça ne fonctionne pas, vous pouvez tout simplement le désinstaller. Donc ça va le désinstaller. Vous coupez l'ordinateur. Donc là, on peut faire comme si, voilà, bon, je vais pas le faire, ça ne sert à rien. Mais vous faites désinstaller ici, cliquez ici. Une fois que c'est désinstallé, vous éteignez votre ordinateur et vous le rallumez. L'ordinateur va tout simplement réinstaller le pilote normalement et vous avez eu 2 chances sur 3 pour que ça fonctionne comme avant. Si jamais toutes ces mesures ne fonctionnent pas, vous pouvez toujours mettre à jour et parcourir mon ordinateur à la recherche du logiciel de pilote. Donc vous faites là et après vous allez en bas choisir parmi une liste disponible sur mon ordinateur. Voilà. Et après, comme là on peut voir, Asus Touchpad, vous cliquez dessus, vous faites suivant et il va réinstaller le pilote. Donc voilà, c'est généralement assez rapide. Hop, donc là il me demandait si je voulais rallumer l'ordinateur vu que j'ai refait une réinstallation quand même. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura résolu votre problème. C'est vrai que j'avais oublié ce côté-là dans la première vidéo. Donc même si c'est tard, autant le faire. Donc si ça vous a permis de résoudre votre problème, bah, je vous invite à me mettre un petit like et pourquoi pas un petit commentaire et un abonnement. Et moi je vous dis à plus tard.